Et bien bonsoir à tous les amis, du coup on se retrouve pour le débrief entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Les gars, je suis très content de Lyon parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà on va commencer avec le score final 0 à 0 les gars, un beau match nul. Franchement pour ce qui s'est passé sur le terrain, une pelouse qui est catastrophique. Franchement y a pas à dire, la pelouse a été merdique. Pelouse de LDC mes gars, messieurs, mesdames, pardon. Du coup on commence les gars, score final 0-0. Et on commence avec l'homme de la rencontre les gars, il est juste là les gars. C'est Anto. Anto, il a tout fait, frère. S'il n'y a pas Anto, on se prend 6 buts, les gars. Ah, j'abuse. On va dire 3. On se prend 3 buts. Au départ, les gars, je partais pour qu'on se prenne une valise. Hein. Franchement, je pensais qu'on allait perdre 3-0. Fini. Eh ben non. J'ai été surpris de mon Lyon ce soir. J'ai été surpris de Lyon. Et du coup, bah. On va commencer avec la composition de l'équipe, les gars. Je sais pas si c'était un 3-4-3 ou un 5-3-2. Enfin, je sais pas comment. C'est quoi que le schéma technique il avait Peter Bosz, mais bon, ça a réussi à tenir le choc. Lyon a eu une bonne équipe, enfin, ça dépend dans quel contexte on va dire ça, mais j'étais surpris de la motivation de Aouar. Pendant les 15 premières minutes, je n'ai pas trouvé si bon que ça. Au final, il a commencé à monter crescendo, et là, le superbe contrôle orienté pour enchaîner avec une frappe enroulée qui passe malheureusement à côté des cages de Garbic. Après, mis à part ça, Lyon n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part les deux ailes de pigeon de Dembélé. Sinon, après, on s'est fait rouler par Lille. Mais là, Lyon peut se redonner un peu de confiance parce qu'ils ont repris. Ils ont pris 0 but et on n'a pas craqué dans le Money Time. Alors, déjà, bravo à Lyon pour ça. Ils n'ont pas craqué, bravo. Mais ce match, si on fait match nul, c'est grâce à cet homme. Merci Anto. Les parades, c'est un monstre. Les gars, je vais même pousser plus loin. À l'heure actuelle, le meilleur gardien de la Ligue 1, c'est Anthony Lopez, les gars. C'est obligé, frère. Il a 8, il mérite 10, le mec. Voilà, et il était par terre. Il était par terre. La parade qu'il a fait sur Yilmaz, les gars. Par terre, il fait une parade sur Yilmaz. Il était par terre, les gars. Ensuite, oh là là. Et Lille, ça débordait de tous les côtés. Aïe, aïe, aïe. Et Anthony Lopez, il était partout. Alors, je vais commencer avec mon top et mes flops. Les gars, directement dans le top. Il a que 18 ans. Loukeba. Taille patron, les gars. Loukeba. Mais c'est. Il a que 18 ans, les gars. Vous avez vu le niveau qu'il a? Mais c'est impressionnant. Deuxième. Il n'y a pas à dire, les gars. Bruno Guimaraes. C'est lui qui. Pardon. C'est lui qui réoriente le jeu, les gars. C'est lui qui fait tout. Il est partout. Il est en attaque, en défense. Si le milieu de terrain, il défend, il va. Oh, il était partout, Bruno Guimaraes. Et franchement, le meilleur top du top du top du top, Anthony Lopez. D'ailleurs, je pense que ma vidéo, je vais l'appeler Lorsque OL00 Lopez Ange Gardien. Voilà, ça sera le titre de la vidéo. Merci Anto, franchement, si les supporters peuvent bien dire quelque chose, c'est que ce match-là, sans Anthony Lopez, on le perd. Alors, top flop, les gars. Désolé, hein, mais top flop, les gars. Et malgré ça, il a la meilleure note du match. Je vais mettre Da Silva. Je l'ai pas trouvé exceptionnellement bon. Malgré qu'il a la meilleure du match, il a réussi tous ses duels aériens, il a réussi tous ses duels défensifs, mais je l'ai pas trouvé serein. Donc voilà pourquoi il se retrouve dans les flops. Ensuite, franchement, celui qui m'a le plus déplu du côté de Lille, c'est Diallo. Je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu Diallo de mercredi en LDC là. Puis le troisième, bah j'en ai pas trop en fait. À part si bon. Je vais être Yilmaz, mais dans le sens où tout ce qu'il a essayé, il a raté. C'est pas parce qu'il a été nul sur le terrain, parce qu'il a été bon, mais les 1v1 contre Anthony Lopez, il a raté. Donc voilà pourquoi on se retrouve dans le top des flops. Voilà. Donc voilà, superbe match de Lyon. Alors certes, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Donc ça peut redonner un petit peu de confiance. Et voilà. Je vais ouvrir un petit débat et je vais le refermer après. Peter Bosz, on dit qu'il est sur la 7, les gars. Mais en même temps. Dès le départ, quand tu dis qu'il veut mettre un projet en jeu, les gars, il arrivait quoi? Il arrivait août. Il a eu août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les gars, c'est pas assez 5 mois. Laissez-lui un peu plus de temps, vous verrez que ça va marcher. Il faut juste laisser un peu plus de temps. Et ce que j'ai apprécié sur ce match, les gars, c'est que les joueurs ont prouvé qu'ils étaient derrière le coach. Et ça m'a fait plaisir. Tu voyais qu'ils voulaient être là pour le coach. Et j'apprends quoi? J'apprends quoi que si Peter Bosz aurait perdu le match, il aurait été têche. Mais ça aurait été de la connerie. Je veux bien, on est 13e au classement, mais faut arrêter les conneries de minutes, les gars. Oh. Voilà, bref, on referme le sujet, la parenthèse.
Je suis content de Lyon parce qu'ils ont pas craqué, les gars. Je sais pas. Voilà, ils ont fait un super match. Anthony Lopez, c'est le king of the match. Je l'ai marqué là. C'est incroyable. Donc voilà, les gars, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Encore merci à Anthony Lopez. Encore merci à Loukeba. Encore merci à Bruno Guimaraes. À voir si tu regardes cette vidéo, ce qui est très peu probable. Il faut que tu. Franchement, le niveau que t'avais là en premier temps, faut que tu le gardes. Faut même que tu l'améliores. C'était. J'aime bien te voir comme ça, c'est un truc de dingue. Voilà, petit message à Oussama War. Les gars, voilà, avant de finir cette vidéo en beauté, comme on dit, prochaine vidéo, ça sera certainement jeudi ou mercredi, avant-match entre le Paris FC et l'OL. Oui, petite surprise, demain on sera en live à 13h pour le tirage de l'Europa League. Et du coup, voilà, on va finir cette vidéo bien comme il faut. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est super important. Voilà, et du coup, bah, je finis cette vidéo par un grand merci à Anthony Lopez, t'as fait un super match, et continue comme ça, champion. Allez, ciao, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.